De France, on a acheté les cerises françaises. C'est vrai que des fois, je vois, j'en vous en prends deux. Un peu d'amour dans ce monde de bras, mais encore, on est déjà allé, j'en peux plus encore, elles sont trop bonnes. Chez nous, et pas chez lui. Il est chez nous. Faut pas dire chez toi. Chez nous. Petite pause au. Petite pause, mais. À l'ombre, ouais, c'est ça. Une pause à l'ombre, c'est. Ouais, ouais, parce que là, même pour les gens devant qui vont devoir parler ou tout ça, c'est quand même mieux. Quoi. Voilà, on ne les oublie pas. Et on
ensemble, effectivement, on continuera à avancer. Maman, il m'a dit d'avant, j'ai déjà fait bien ici. Là maintenant, je suis passé à autre chose, j'ai juste la colère. Et je peux pas l'exprimer. Oui, effectivement, alors, ce que ma mère m'a fait remarquer, c'est qu'effectivement, mon grand-père a été blessé à Rouen lors de la libération. Effectivement, il se battait effectivement pendant la libération. À côté de ça, mon arrière-grand-père, lui, était résistant. Il faisait des faux papiers pour les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, la France qui est aujourd'hui, c'est pas celle pour laquelle eux ils sont battus. Et effectivement, les policiers d'aujourd'hui devraient avoir honte de protéger un gouvernement qui détruit effectivement les vies de ses citoyens. C'est pas pour cette France-là que mon grand-père et mon arrière-grand-père se sont battus. Me battre, je sais pas, mais en tout cas, je vais continuer à les gueuler. Après, au niveau des bagarres, ouais, je risque de perdre la plupart du temps. En fait, elle sait que je fais la bonne chose, mais elle a très très peur. Elle est très faible. Là, vous avez le jeune homme qui a perdu sa main. Il a eu il n'y a pas longtemps sa prothèse. Et l'État dit rien dessus. Non, mais je sais. Même la dame de la Marseille qui a été tuée suite à... Grave, c'est que les Français se mobilisent pas, mais c'est terrible ça. Vous savez, regardez, moi quand... Regardez, il fait 20% d'Européennes. Oui, mais 20% vers 10%. Ça représente pas rien, mais c'est bien. Mais je veux dire, en pourcentage, mais moi ça m'atterre. Oui, mais les gens, ils voient pas ça, ils voient autre chose. Il est presque le premier mouvement qui obtient les meilleurs résultats. Mais c'est dingue. Il aurait dû faire 2%, 0%, il aurait dû faire... Oui, mais vous savez, dedans l'ORM, vous avez Modem, vous avez plein de petits partis. Donc en fait, quand en réalité, le RM, c'est peut-être 8%. Oui, mais enfin, bon, les inscrits, c'est 10% de trop, quoi. Oui, mais bon, vous avez toujours des gens, il y a toujours des... Ouais.